Fiona, 23 ans. Je suis en master métier de l'enseignement, de la formation et de l'éducation, si je ne me trompe pas. Dans l'objectif de devenir professeur de PS. J'aimais quand même le sport en général et en même temps la danse. Je me suis dit, bah, en fait, du coup, je peux faire les deux. Confiance, bien-être, culture, diversité. Meilleur souvenir, avoir dansé à la maison de la danse. Meilleure rencontre, tous les intervenants, j'ai pas de. Tous les intervenants. Bah, moi, j'ai vraiment pris confiance en moi et ça m'a aidé pour le bac. Je vais pas le cacher. Ça m'a aidé vraiment à m'exprimer de manière peut-être plus claire que ce que j'avais l'habitude de faire et à vraiment voir avoir des réflexions différentes par rapport à ce que je peux avoir d'habitude. Il me reste aujourd'hui toute la culture chorégraphique que j'ai apprise, toutes les formes d'expression corporelle qu'on peut faire avec son corps. Enfin, la chance que j'ai eue en fait de vivre énormément de choses et ouais, de bons souvenirs quoi. Je dirais de foncer parce que c'est une expérience un peu unique qu'on vit. C'est un partage aussi avec les autres élèves. Ça permet vraiment de prendre confiance en soi, d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses. Que c'est ouvert à tout le monde. Donc, peu importe nos origines sociales, etc. C'est vraiment une discipline qui est faite pour tous. Que ça permet vraiment de. Je me répète, mais d'avoir une ouverture d'esprit sur les choses, d'apprendre à mieux se connaître soi.